La limitation du nombre de mandats n'est pas un grand principe démocratique. Il fait partie du registre des garanties. On garantit l'alternance. D'ailleurs, l'alternance peut se produire au sein de la même famille politique. On peut limiter le nombre de mandats et tu as le même parti ou la même coalition qui revient au pouvoir. Il y a une limitation du nombre de mandats en Russie. Vous connaissez la pièce de théâtre. Il fait deux mandats, parce qu'en Russie, c'est deux mandats consécutifs. Deux mandats consécutifs. C'est-à-dire, pas plus de deux mandats consécutifs. Tu peux prétendre à un troisième mandat, mais après qu'un autre mandat se soit intercalé entre les deux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il quitte le pouvoir, il devient chef du gouvernement, et il revient. Un mandat, puis il revient. Ce n'est pas... C'est une garantie encore. C'est une garantie dans les pays démocratiques. Ça ne fait pas partie du registre des grands principes. Par contre, la modification apportée à l'article 74, je l'ai ici, normalement, je me suis armé. Armé d'arguments. Oui. Pas d'autre chose, on n'en a pas de toute façon. Écoutez, on m'a dit, mais là, après les élections, vous allez prendre les armes. Écoutez, d'abord, on n'en a pas. Oui, on n'en a pas. Même si on voulait, on n'en a pas. Alors, l'article 79, c'est l'article 79. Amendé, il stipule que le Premier ministre met en œuvre le programme du président de la République et coordonne à cet effet l'action du gouvernement. Ils ont dissocié la notion de... Ils ont dissocié donc le gouvernement de la majorité parlementaire. Eh oui, si... Le chef du gouvernement, le Premier ministre, met en œuvre le programme du président. Donc, quel que soit le résultat auquel aboutit l'élection législative, la majorité parlementaire, même si elle n'est pas de la même obédience que le président de la République, elle va mettre en œuvre le programme du président. C'est quoi ça? C'est-à-dire qu'elle va mettre en œuvre un programme pour lequel elle n'a pas été mandatée. Mais si les gens votent pour telle majorité, pour faire sortir telle majorité, et cette majorité est sommée de mettre... C'est dans la Constitution. Sommée de mettre en œuvre le programme du président. Excusez-moi. C'est comme si quelqu'un se mariait, il fait la fête, il invite les amis, il organise un repas, et le soir venu, on lui dit, ah non, c'est la lune de miel, c'est pas avec toi, c'est avec quelqu'un d'autre. C'est un viol, ça c'est un viol. Eh bien, l'article 79 est aussi un viol, à la différence, c'est que l'un est puni par la loi, l'autre c'est la loi. Voilà la différence. L'histoire des quotas des femmes, constitutionnel. Et là, il y a un autre problème. Et pourtant, le Conseil constitutionnel a gardé le silence. Il l'a tout approuvé. Il y a un bouleversement dans les équilibres des pouvoirs. Il y a un bouleversement clair dans l'équilibre des pouvoirs. Normalement, le Conseil constitutionnel devait prescrire la procédure référendaire. C'est ce que dit la Constitution. Il ne l'a pas fait. Il s'y sont suffi de la procédure parlementaire. Il était beaucoup plus facile, surtout au vu de la composante du Parlement que nous avons. Il a tout divisé. Ils ne sont plus dans l'ancien modèle. Les journalistes sont attaqués par des journalistes. Ce sont des journalistes qui attaquent des journalistes. Ce sont des partis politiques qui attaquent d'autres partis politiques. À tel point que l'un de vos confrères, si ma mémoire ne me fait pas défaut, je crois que c'est Saïd Rabia, a parlé d'opposition d'opposition. Il y a des partis au pouvoir, il y a l'opposition de l'opposition.
À chaque fois que quelqu'un tente une initiative, ce n'est pas le pouvoir qui le dénonce, qui l'empêche. C'est l'opposition. C'est une autre opposition. Ben c'est ça. Il a tout divisé. Syndicat contre syndicat, l'armée contre l'armée, etc. Il a tout segmenté. Divisé pour régner, en quelque sorte. Mais c'est du génie, ça, quelque part, non? Oui, c'est du génie au service du mal, quoi. On va avoir la paix. C'est facile. Bonne réponse. Oui, très belle. Khaled Boudia, journal Khabar. Monsieur Zinati, je voulais savoir votre lecture sur l'apparition de Mouloud Hamrouche. Je ne sais pas ce que... La déclaration d'Assia. Il a fait exactement ce que nous sommes en train de faire. Il a interpellé, il a tiré la sonnette d'alarme. Madame, s'il y a autre chose, moi je ne suis pas du tout au courant. Il a interpellé dans des mots très mesurés, il a interpellé le pouvoir, il a fait appel aux jeunes générations pour qu'elles prennent leurs responsabilités. Il faut que tout le monde parle. Il ne faut pas voir des scénarios occultes ou des scénarios diaboliques derrière chaque sortie publique d'un homme, d'une personnalité ou d'un parti. Il faut arrêter ça. Il a parlé, point c'est tout. C'est bien, il faut qu'il parle encore. Moi, je lui demande de parler, de continuer à parler. Il ne faut pas verser dans la suspicion. Moi, je lui demande de continuer à parler. J'appelle d'autres à parler. Il faut que les gens parlent. C'est tout. Moi, c'est le seul commentaire que j'ai à faire. Mais dans sa déclaration, M. Hamrouche, il s'est plutôt adressé à l'armée. Il a surtout interpellé l'institution militaire. Oui, le problème, il est beaucoup plus en long combat. Eh oui. En bas, il suffit de s'organiser, de mobiliser les gens avec toutes les peurs qu'ils ont, toutes les peurs, tous les traumatismes que porte la société. Bien sûr, la responsabilité, il faut de la responsabilité. Donc vous estimez que la clé, elle est entre encore les mains de l'armée? Ça reste l'acteur majeur du jeu politique actuellement. C'est un raccourci. Non. Moi, tout ce que je viens de développer, moi, bien sûr, quand on dit une transition négociée, on va la négocier entre nous, acteurs du changement, mais on va la négocier avec un autre acteur. Un autre acteur, c'est le pouvoir. C'est tout à fait normal. Eh oui. On ne peut pas faire abstraction de ça. On ne peut pas faire abstraction. Sinon, on va droit dans le mur. Si on veut que la transition soit pacifique, parce qu'il n'y a que deux voies. Soit on fait la révolution. C'est-à-dire un tayro. Là, on se débarrasse du pouvoir par la violence. Soit on choisit la voie la moins coûteuse, qui est la voie pacifique, par le biais de la négociation. Et selon... un échéancier, on ne peut pas tout faire en même temps. Voilà, c'est ça que ça veut dire, une transition pacifique et négociée et graduelle. Le pouvoir est un acteur qui est. Même si nous le dénonçons tous les jours, nous les détestons, surtout le pouvoir qui s'incarne dans cette petite république, dans ce sous-système. On est obligé de nous accommoder. On ne peut pas exclure. On ne peut pas dire qu'on est démocrate et exclure en même temps. Ce n'est pas possible. Et puis, de toute façon, dans toute culture, on veut maintenant aller vers l'ancrage, vers l'éducation sur la base de la culture démocratique, c'est-à-dire la tolérance, etc. Parce que la démocratie, c'est aussi des valeurs. Mais dans toute culture, pour avoir une bonne récolte, on a toujours besoin d'un petit peu de fumier. Voilà.
Feeling my way through the darkness, guided by a